toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 6 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé une lame majeure, la grande prêtresse. Méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. La grande prêtresse, eh bien c'est l'archange Aniel qui est connu pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès aux dons divins. Et là, on peut voir hein, sur la carte, son livre ouvert indique qu'une connaissance jadis tenue secrète est désormais accessible à tous. Donc, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, quelque chose de caché, qu'on vous avait caché, qu'on ne vous avait pas dit, qu'on vous avait tu. Eh bien, vous allez le découvrir. Vous savez, dans le jeu de tarot, il y a beaucoup de cartes qu'on vous demande de vous activer, de passer à l'action. Mais ici, la grande prêtresse, c'est pas ça qu'elle vous demande. Elle n'attend qu'une chose, c'est que vous vous asseyez à côté d'elle. Et il est temps de contempler, de se tourner vers l'intérieur, de méditer et de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Alors le rêveur, lui, il annonce un nouveau départ. Et le magicien, lui, révèle eh bien, la capacité à faire de la magie. Mais l'un ou l'autre ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent créer. C'est un point d'interrogation. C'est la grande prêtresse qui vous y aidera. Donc si vous êtes comme le rêveur, comme le magicien, et que vous ne savez pas, eh bien, tournez-vous vers la grande prêtresse, parce que là, elle va vous aider. C'est une lame d'intuition, n'est-ce pas? Et de dons. De dons extra-lucides, et avec beaucoup de clairvoyance. C'est une clairvoyance qui naît de la quête intérieure et de la communication avec le divin. La communion que vous avez avec le divin. La grande prêtresse, elle encourage à croire en soi et en son intuition. Vous devez croire en vous et croyez en votre intuition, les messages et les signes que cette grande prêtresse va vous donner, eh bien, vous aurez comme ça l'impression de recevoir juste ce qu'il faut. Et ne croyez pas que vous êtes fou ou folle, n'est-ce pas? Non, 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 non. On vous demande ici, de prendre le temps, de réfléchir avant de passer à l'action. La grande prêtresse vient vous dire, c'est pas le moment de passer à l'action pour certains d'entre vous. Ça peut être quelque chose qui est dans le milieu de votre travail professionnel, familial, personnel, amoureux. Mieux vaut vous abstenir pour le moment. Donc voilà, ça c'est le message de la grande prêtresse, n'est-ce pas? Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir des choses qui vous étaient caché jusque maintenant. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, n'est-ce pas?
On termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et là, moi, j'ai pigé conflit pour aujourd'hui. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Eh bien, nous, les anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, eh bien, pour le dernier message de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.